Voici Nicoline Tourté, Nathalie Esselin-Leloup et Najib Smaili. Les trois juges ont rejoint le tribunal judiciaire de Sarreguemines. Ils viennent donc compléter l'effectif composé d'une vingtaine de magistrats du siège et du parquet. Ils ont été présentés officiellement lors d'une audience solennelle ce jeudi face à des élus, des représentants de la loi et des acteurs locaux. Il est important que ces juges puissent être connus et que la justice s'ouvre vers la société pour que les citoyens qui s'apprêtent, le cas échéant, à être jugés par certains de ces représentants, certains de ces acteurs, sachent à qui ils ont affaire. Les présentations effectuées, cette rentrée était aussi l'occasion pour le procureur et la présidente du tribunal judiciaire de faire part de leur résolution. La première concerne le traitement des violences conjugales et intrafamiliales. Qui sont l'objet d'une priorité absolue de la part du gouvernement qui trouve déjà à se décliner au tribunal judiciaire de Sarreguemines. Second point important, la justice de proximité, pénale et civile, qui a pour but de diminuer le stock des dossiers en cours, ainsi que le délai de traitement des affaires. Un ensemble d'outils destinés à rapprocher le justiciable de la justice, ou d'ailleurs de faire le chemin inverse, de rapprocher la justice du justiciable, en essayant autant qu'il est possible, par exemple, de garantir des délais assez brefs de comparution devant la justice. Le procureur a également évoqué sa volonté de lutter contre les trafics de stupéfiants, en proposant notamment davantage de moyens juridiques aux forces de l'ordre.